Hey, salut mes handpickers! Aujourd'hui, c'est tuto nettoyage de vos capteurs et lentilles. Donc, souvent, quand on parle de ça, votre réaction c'est... Bon, pas de soucis, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Alors, bon, une chose est sûre, en séparant votre objectif de votre boîtier, vous avez peu de chances de trouver ça. Mais plutôt ça. Bon, c'est déjà rassurant, non? Bon, pas vraiment. Parce que ce que je vous ai montré juste avant, vous pouvez le trouver facilement sur les côtes, au bord des océans. Malheureusement. Bref, c'est un autre sujet. Et oui, j'avoue, aujourd'hui, c'est mini coup de gueule, car il y en a marre. Je vais rapidement vous montrer comment nettoyer le capteur de votre D5000, D5500, D7000, D7100, D7200 ou autre, afin d'éradiquer toute tache suspecte. Voilà, on se rend souvent compte des taches, en fait, quand on ferme son diaphragme, donc avec une grande profondeur de champ. Donc c'est toujours rattrapable en post-production, avec Lightroom ou Photoshop, mais autant s'éviter du travail en plus. Voilà, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le faire par un professionnel. Ici, je vous donne juste quelques conseils et me décharge. Ouais, je sais, hein. Je suis encore dans le truc. De tout souci qui pourrait arriver. Donc, cette manip fonctionne aussi bien avec du matériel Nikon, Canon, Fuji, etc. Hein. Donc, le matériel nécessaire. Il vous faudra donc une batterie chargée à fond, une poire soufflante, et un stylo. Alors moi j'ai les deux, hein, c'est pratique. Donc j'ai ce type de stylo qui a ici un petit patin intégré, donc qui vous permet de nettoyer surtout les taches grasses sur les objectifs. Hop, et de ce côté-là, le petit pinceau qui sert à nettoyer l'objectif. Donc là par contre, c'est pas du tout pour le capteur, c'est pour nettoyer les objectifs. Ensuite, il y a le liquide de nettoyage. Donc attention, hein, pour les vapoteurs, n'allez surtout pas confondre les deux flacons, sous peine de gros soucis aux poumons. Pour le capteur, donc, il faut des pinceaux de ce type. Donc faites bien attention à avoir des pinceaux au bon format, parce que selon le type de réflexe, c'est-à-dire DX, le capteur DX ou FX, les pinceaux seront plus ou moins grands, plus ou moins larges, donc ne vous trompez pas. Voilà, le matériel nécessaire pour nettoyer son capteur et son objectif, ou ses objectifs. Donc, dans un premier temps, afin de savoir si vous avez des taches sur votre capteur, vous allez mettre votre réflexe sur le mode A pour Nikon et AV pour les canonistes. Puis vous allez régler l'ouverture donc de votre réflexe à f22 ou plus. Bon, là par exemple, sur celui-ci, hop, là je me mets à f22, je peux mettre à f32. Bon, après, il faut faire attention si vous fermez trop le diaphragme. Vraiment, il va falloir une grosse quantité de lumière pour pouvoir faire une photo bien blanche et le flash ne suffira pas. Donc, dans ce cas-là, il faudra augmenter un peu les ISO de votre appareil pour faire une photo bien blanche. Donc, par défaut, moi je sais qu'à f22, f25, ça fonctionne bien. Vous mettez à f22, comme ça. Ensuite, vous allez déclencher le flash intégré de votre appareil, donc vous appuyez sur le petit bouton flash, hop, qui déclenche le flash, le bouton c'est celui-ci. Vous allez pouvoir régler la puissance de ce flash, parce que ça se trouve elle est réglée peu fort, donc en appuyant sur le bouton flash, donc je vous montre de près, je ne sais pas si vous voyez bien, si j'appuie sur le bouton flash, donc il se déclenche, et vous allez pouvoir, donc il y a un 1 qui apparaît, c'est la puissance du flash. En tournant la molette principale, vous allez pouvoir régler la puissance de ce flash, donc soit jusqu'à moins 3 ou à plus 1. Donc là, vous allez le mettre à plus 1, au maximum de sa puissance. Bon, après, n'oubliez pas de faire la manip inverse une fois que vous aurez fini, hein, que vous aurez fait votre photo, pour remettre le flash à 0. Voilà en gros le réglage du flash. Ensuite, vous allez prendre en photo quelque chose de blanc. Donc une feuille blanche, un mur ou un ciel bleu par exemple. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez sorti votre flash, vous avez réglé votre ouverture sur F22 par exemple, vous allez vous mettre devant votre mur, mais vous allez débrayer l'autofocus. C'est-à-dire que si vous restez en autofocus automatique, il risque de tourner dans le vide. Donc vous débrayez votre autofocus, soit sur l'objectif, soit ici sur l'appareil,
vous pouvez le passer en manuel, voilà. Et vous allez prendre une photo. Donc la photo, en gros, ça donnera ça, une photo blanche. Et en faisant un zoom avec votre boîtier sur la photo blanche, et en vous déplaçant de gauche à droite, vous allez voir s'il y a des taches qui apparaissent à l'écran. Bon, en gros, s'il y a des taches, vous allez devoir suivre mes conseils par la suite. S'il n'y a pas de tâches, et ben vous arrêtez tout de suite cette vidéo, et puis vous allez faire des photos. Voilà. Vous allez nettoyer dans un premier temps la lentille de votre objectif. Donc, en gros, la lentille de l'objectif, vous allez prendre la poire soufflante. Donc, vous allez passer un petit coup de poire soufflante sur la lentille. Ça ne suffit pas, vous allez prendre votre petit pinceau, hop, et vous allez nettoyer la lentille comme ceci. Et s'il y a des taches de gras, hop, vous allez passer le patin directement sur la lentille. Vous pouvez faire exactement la même chose de l'autre côté, du côté qui est au niveau du capteur. Même système, il n'y a aucun souci. Ensuite, vous allez faire attention de travailler sur une surface propre et peu poussiéreuse. En gros, ne faites pas cette manip dans une pièce pas nettoyée ou aspirée depuis 4 ans. Vous risqueriez de mettre encore plus de poussière à l'intérieur de votre boîtier. On commence. Donc, d'abord, assurez-vous que votre batterie, ici, soit chargée à fond. Il y a une sécurité en fait sur les réflexes Nikon qui fait que en dessous de 50% de batterie, vous ne pourrez pas relever le miroir afin d'atteindre le capteur, tout simplement. Ensuite, il y a plusieurs écoles. Il y a des personnes qui tiennent l'appareil photo d'une certaine façon, soit de façon classique, soit tête vers le bas. Moi, je le fais tête en bas. Donc en gros, soit vous mettez votre réflexe sur un trépied, donc en hauteur, tête en bas, comme ça. Soit vous le tenez au-dessus de votre tête, comme ça. Au-dessus ou un petit peu plus haut que vous, de cette façon-là, en fait. Donc, pour relever le miroir afin de pouvoir accéder au capteur, vous allez aller donc dans votre menu. Hop. Une fois que vous serez dans le menu, vous allez descendre dans hop, le menu configuration. Et dans ce menu-là, vous allez chercher verrouiller le miroir. Donc, vous allez valider cette fonction-là. Il vous dit démarrer, vous faites OK. Alors, il vous explique que lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le miroir se lève et l'obturateur s'ouvre. Pour abaisser le miroir, il faudra éteindre l'appareil photo. C'est-à-dire que vous allez, hop, déclencher, comme si vous preniez une photo. Là, le miroir est levé. Donc, vous ne retirez pas la batterie et vous n'éteignez pas l'appareil. Là, vous allez retirer votre objectif. Et une fois que vous aurez fait la manip de nettoyage, vous remettrez l'objectif en place et vous prendrez soin d'éteindre l'appareil et de le rallumer. On a entendu en fait le miroir se replacer. Ensuite, vous allez imbiber ce petit pinceau avec une ou deux gouttes de produit donc spécial capteur. Ne mettez qu'un produit fait pour les capteurs, c'est très important. Une fois que vous aurez imbibé ce pinceau, vous allez... Donc moi, normalement, je le tiens tête en bas, je le tiens dans ce sens-là, mais pour vous montrer, je le mets comme ça. Ensuite, vous allez passer le petit pinceau, vous allez faire un ou deux allers-retours, en fait, sur le capteur qui est au fond. Bon, vous verrez que le pinceau correspond à la largeur du capteur. Donc vous allez faire un, deux ou trois allers-retours, et logiquement, vous pouvez remettre votre objectif, hop, et ça sera réglé. Vous ferez donc, à la suite de ça, une autre photo-test avec un mur blanc ou un ciel bleu, flash ou pas, et vous verrez s'il y a toujours des taches. Récapitulatif de nettoyage. Il vous faut du produit spécial pour le capteur. Il vous faut les petits pinceaux qui sont faits pour votre capteur. Donc voilà, moi j'utilise cette marque-là. Visible Dust. J'en suis content. Voilà, il y en a 12. Il y a des pinceaux déjà pré-imprégnés qu'on peut acheter. Ça coûte cher et voilà, moi je préfère cette solution-là. Je l'emmène avec moi, je prends toujours un ou deux pinceaux avec moi et le liquide, ça prend pas de place. Et ça me permet de nettoyer au cas où. Donc il vous faudra ceci donc pour nettoyer le capteur. Le petit stylo super pratique pour nettoyer les objectifs. Donc avec le petit patin qui permet de nettoyer les taches grasses et le côté balai en fait pour retirer les poussières. Une batterie donc chargée à fond, très important.
et la petite poire qui vous permet, alors je ne vous ai pas montré comment on s'en sert, une fois que vous avez en fait retiré l'objectif de votre boîtier, donc vous avez le trou avec l'accès au capteur, vous allez mettre la poire un petit peu à l'entrée et vous allez souffler pour retirer les premières poussières ou les poussières en suspension, en tenant bien l'appareil vers le bas pour que les poussières retombent bien à l'extérieur et ne restent pas dedans. Man Kickers, j'espère que ce mini tuto vous a plu. Bah, n'hésitez pas à partager ma page YouTube, à aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon site. Pour ma part, je suis en train de faire un mini timelapse, mini entre parenthèses, depuis 9 jours. Peut-être que ça vous intéresse, j'en ferai peut-être un tuto. Bon, si ça vous dit, n'hésitez pas à me poser la question sur mon adresse mail, donc question@pixel.gmail.com. Donc l'adresse s'affiche dans un petit coin, comme mon adresse de site internet. Voilà, et bien, écoutez, je vous souhaite une super journée, une super fin de semaine, et surtout un excellent week-end, et faites des photos. Salut mes Kickers.